Yes. J'ai Oméga Net. Ok, je vais essayer de déjà de réorganiser un peu le graphe avec ça. Ah, cet enfer, c'est là pour le coup, c'est vraiment chiant. Le graphe, il bouge en fonction du. Il change entre deux parties apparemment. Ou alors vraiment il a changé en fin de game. Juste pour faire chier quoi. Alors, c'est bon. Attends, en plus le chemin va être long. Ok, comme ça c'est super. C'est super. On va bien s'amuser. Du coup, visiblement c'est 0. Ok. Le nœud précédent 0, c'est. C'est Just Gun? Non, c'est pas Just Gun. Perdu. Il va où ce trait? Foodstuff, c'est ça? C'est ça. Ok, donc j'ai mon chemin. Et là, c'est lié à Home. Donc là, j'ai mon point Home. Super. Alors attendez, je vais juste zoomer un petit peu sur le graphe pour moi. Trop zoomé, trop zoomé. Bon, du coup, j'ai le graphe sur le navigateur à côté de moi. Blablabla, the cave, mes couilles, voilà. Alors, homme. Ok, on va faire donc. Donc, j'ai le deep scan. Voilà, j'ai le scan de l'analyse 10 de toute façon. Donc, ça, pour le moment, j'en ai plus besoin. Du coup, il faut suivre la voie. Celle-là. Du coup, attendez que je vérifie bien. Donc 0. Après 0, le nœud c'est Oméga net. Donc Oméga net. The hub. C'est ça. Hein. Attendez. The hub. Oméga, non, Oméga Net après Crush Fitness. Sauf que je l'ai pas. Du coup. Voilà, Crush Fitness. Et ensuite, j'ai les triple I. Il est dans ma liste. Ça descend jusqu'à Solaris. Est-ce que Solaris. Oui, donc je peux descendre jusqu'à Solaris. Novamed. Ah, oula, attendez, je peux même descendre encore plus bas. Novamed, ça fait partie. J'ai un doute. Novamed, ensuite j'ai applié d'énergie stick. Applié d'énergie stick. Donc j'ai applied. Ensuite après applied, j'ai quoi? Après applied, j'ai full chrome tech. Full chrome tech. Et ensuite j'ai deux voies possibles, soit Force Sigma. Et déjà on va se mettre sur Full Chrome Tech. Hop, on va se mettre là et on va refaire un scan analyse de 10. Alors, ensuite, la prochaine voie, c'est Kwai Kong.
Mais en soi, The Cave, il devrait apparaître là. Alors du coup, il apparaît pas, mais... Vitalife, je crois, je l'ai vu. Attendez. Ces échanges, je peux pas voir mon graphe et... alors j'ai dit Quai Kong NWO. Alors Quai Kong, je l'ai vu. The Cave, je l'ai. Et là, je me déteste. Mais c'est pas grave. Alors, c'est bon. J'ai mis la backdoor normalement sur The Cave. Du coup... Ok. Il y a peut-être Icarus aussi. Faut que j'arrive à trouver Icarus dans le... Parce qu'il n'était pas dans mon... Non, il n'était pas dans mon graphe. Du coup, il va... Il va falloir que je trouve le chemin vers Icarus. Icarus, il est là. On va s'amuser, c'est un autre graphe. Il est sur une autre branche. Bon, ça va me prendre un petit, tout petit peu de temps. Je peux retomber dessus. Alors, je peux retomber dessus depuis quel nœud? Alors, soit Zero, soit Omega Net. Je suis en train de dire... Non, Omega Net. Depuis... attendez un instant. Ok, donc Omega Net. Du coup, est-ce qu'il est dans ma liste là? C'est bizarre, hein. Normalement, rien que ça aurait dû me débloquer. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'il faut que je recoche toutes les tous les autres pour pouvoir après The Final Backdoor de qui s'appelle The Final ou un truc dans le genre. Bon, on verra. On verra. Pour le moment, Icarus. Je vais retourner sur mon home en fait. Home. Non mais c'est dingue quoi, j'avais jamais repéré que ça bougeait quoi.
Icarus, je l'ai. Il y avait un nœud après. Welcome to the Bitverse. Ah, c'est le fameux Bitverse. D'accord. Oh, j'ai rien compris. Faudra que je revoie au montage. Parce que j'ai rien compris là. Du coup, on est reparti. Attendez. Du coup. Ah d'accord. Source Genesis. Oh bordel, je repars de zéro. Oh, me dites pas que mes scripts n'existent plus par contre. S'ils existent toujours. Bon. Mais nous repartons de zéro. Oh, ce jeu. Et donc il faut que je reparte de zéro? Non mais sans déconner. Faut que je refasse tout jusqu'à plusieurs fois, jusqu'à découvrir chaque bitnode. Mais c'est un enfer. Hein. Mais je vais. Mais, non mais le pognon, je vais le craquer, c'est obligé. Ça c'est le source file 1 mais source file let's player at start with 80 gigabits d'accord ok mais en vrai c'est un enfer mais on connaît le jeu au moins on connaît le jeu. Du coup, là, il faut que je monte. Oh là 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 là, mais ça va être terrible. Faut que je rachète toutes les factions et tout. Oh bah, je crois qu'on va arrêter la série ici. Oh, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Oh mais ça part tellement loin.
Écoutez, en vrai, moi je vais jouer de mon côté et on va juste faire un petit journal de bord. La prochaine fois que j'arrive à l'écran du Bitnote, quoi. Mais ça va me prendre des. Ça va me prendre une semaine. Ça va me prendre une semaine pour arriver à ce niveau-là. Même en craquant la monnaie. À moins que je craque plus dans le jeu, quoi. Que j'augmente en plus le niveau de hacking, que j'augmente ce genre de choses, quoi. Pour aller plus vite. Mais par contre, c'est chier que le graphe il bouge. Le graphe il change. Du coup, il va falloir que je l'automatise. Mais même en l'automatisant, le truc c'est que faudrait peut-être que j'utilise une autre librairie que Cytoscape. Parce que Cytoscape c'est bien, mais en fait il affiche le graphique en cercle. Et c'est pas ce qu'il me faudrait, il me faudrait vraiment le graphique étalé. Je sais pas comment dire ça autrement, mais voilà, qui ressemble un petit peu au logo du Hacknet là. Qui vraiment qui se mettent par niveau et pas en cercle bizarre là. Après ça doit être paramétrable. C'est juste que là pour le coup j'ai pas regardé les paramètres de Cytoscape plus en détail quoi. Oh cet enfer, c'est incroyable. Ce jeu est ouf. Franchement, ce jeu est dingue. Bon du coup. Pour le moment, je vais fermer mon NetBeans. On n'en a plus besoin. Et je vais couper mon serveur web. Parce que j'en ai plus besoin non plus. Oh là là. Bon. Mais j'ai toujours mes. Ça aurait été vraiment chier qu'il efface les scripts. S'il avait effacé les scripts, là par contre, ça aurait été autre chose. Mais bon. Comment je vais en chier? Vas-y, nique-toi. Nique-toi. Save game. Export game. Hop. Document. Bitburner. Enregistrer. Hop. Windows RCMD. C'est des documents. Bitburner. PHP monnaie.php hop import game hacket save compare les save hop procède tout de suite voilà et oh, il y en a marre au bout d'un moment oh attendez j'ai un nouveau truc. On verra ça. Je vais d'abord voir ce que c'est. Là, j'ai pas lu, mais apparemment, je repars de zéro si je fais ça. Alors, Minute de l'humanité.
Bon, ok, admettons. Du coup, ça, c'est le source 1, source 9, source 10. Du coup, il me faut le source 4, moi. Ok. Ok, en fait, c'est des missions. Oh là 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 là. Là, il va falloir que je réaccomplisse le jeu. Avec. Oh, bordel. Oh. Mais j'ai pas le même nombre de nœuds là. J'ai moins de nœuds là. J'avais plus de nœuds que ça avant. Wow, les gars, on rentre dans une nouvelle dimension là. C'est-à-dire que le graphe bouge, mais en plus, même le nombre de nœuds, en fait, je me suis pas rendu compte. Mais apparemment, on découvre des nouveaux nœuds au fur et à mesure qu'on réinstalle des augmentations. C'était quoi? C'était les S-sec. Hein. Les S-sec, je les ai. Les 4I, je les ai. Le truc R. Je n'ai pas le. Ah si, si, si. Run for Tech 11 machin, là, je les ai. Je les ai là. Donc ça, ok. Mais The Cave, par exemple, je l'ai pas. Donc ce sont des nodes qu'on découvre à la fin du jeu. Je me suis pas rendu compte, mais le nombre de nodes a changé au fur et à mesure du jeu. Bordel. Oh, mais ce jeu est ouf. Mais ce jeu. Plus on avance dans le jeu, plus il est ouf. Sortez-moi de là. Bon, du coup. je recraque ma sauvegarde, du coup. Hein, save. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que. Ah, c'est pas ce que je voulais. On recommence. Hop. Option. Save game. Export game. On re-sauvegarde. Hop. On recraque la sauvegarde. Hop. J'avais laissé mon terminal ouvert. Et j'importe la nouvelle sauvegarde. Hop. Et on procède. Confirme. Ok. Du coup, je peux aller. City. Hop. On va acheter le Tor Browser. On va s'acheter deux, trois trucs sympas, je pense. Mais de toute façon, voilà, ça va surtout être pour ça. Faction, détail. Du coup. Hop, travaille un peu pour eux. Ah, mais ça augmente quasiment pas. Ah, on est loin du endgame où ça avance extrêmement vite. Là, c'est un petit peu plus terrible. En vrai, on s'en fout de la force, de l'agilité, tout ça. On va faire plutôt un contrat de hack.
C'est beaucoup mieux. Bon, au moins, j'ai pas de soucis de pognon. Voilà. Pas de soucis de pognon. Tant pis, hein, je craque l'argent pour aller plus vite, hein, mais sinon, on s'en sort pas. Du coup. Du coup, j'ai craqué tout ce que je pouvais. Et donc là, il suffit d'attendre que ça augmente. Est-ce qu'en attendant? Parce que de toute façon, il faut que j'atteigne au moins le hack niveau 50, si je peux bêtise, pour pouvoir rentrer chez les ESSEC. Donc de toute façon, là pour le moment, c'est les factions. Voilà, hein, il va falloir que. Là, il va y avoir la faction d'abord secteur 12. Il va falloir que je revoyage dans toutes les villes. Que je refasse en fait tout le chemin. Donc je craque tout. Voilà, il va falloir que je refasse tout le Millstone. Parce que on est d'accord, hein, la backdoor des ESSEC, c'est niveau 50 et quelqu'un, c'est ça? Si je suis dans le terminal, je vais sur Home. Scan analyse 10. Hop. Les sacs niveau 55. Les sexes niveau 55. Après, il y a les 4 I là. Ils sont même pas dans ma liste. Si, ils sont là. Donc ça c'est flight. Donc pareil, hein, ça il va falloir le réatteindre, c'est-à-dire réatteindre le niveau de hack, bon le pognon c'est pas un problème, mais surtout avoir toutes les augmentes. Donc ça c'est une chose. Gav Knight, tout ça, bon la plupart des serveurs là je peux avoir accès, donc c'est pas trop un problème. De réfléchir comment on peut aller plus vite, mais sans forcément craquer, hein. Je cherche quoi que si, il y a moyen de craquer, mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier de devoir craquer la sauvegarde à chaque fois pour avancer plus vite. Mais en même temps, c'est pour les vidéos. En même temps, j'augmente plus vite, c'est pour les vidéos. Parce qu'en vrai, je me laisserais porter, moi. S'il n'y avait pas les vidéos, en vrai, je me laisserais porter par le jeu. Hein. Tant pis, ça prendrait des mois. Moi, je m'amuse. Hein. Mais voilà. Par contre, le problème, c'est que là, on a nos scripts. Et je code plus dans le jeu, quoi. C'est que ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé dans le script editor éditer un fichier. Alors après, il y a autre chose que je peux faire. Il y a autre chose que je peux faire pour aller un peu plus vite. Pour hacker plus vite, c'est d'aller dans City. Et il me faut. Voilà. Et puis j'achète. J'achète des serveurs.
Ok. J'en suis à 14, hein, si je dis pas de bêtises. Allez, il n'en reste plus que 6 à acheter. On a le 20e. Et le 25e. Il accepte que j'en achète un d'autre? Normalement, il est censé refuser là. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Comme ça, j'ai 25 serveurs en plus qui me permettent de monter en hack plus vite. Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc on a les... Oui, on a les secs. Faut que je sois prêt à envoyer une backdoor. Dès qu'on atteint le niveau 55. Ouais, ça va plus vite là déjà. Ça va déjà plus vite avec 25 serveurs en plus. Faut que je vois, normalement on a un script pour pouvoir acheter les serveurs. Enfin, on a des fonctions pour pouvoir acheter des serveurs tout seul. Faudrait que je le fasse. Je rajoute un script by serveur et puis c'est bon quoi. Hop, allez, la backdoor. Donc ça c'est bon. Comme ça, j'ai ma nouvelle faction. Du coup, eux, c'est plus important que le truc, je vais faire des hacking contrats pour eux. Du coup, par contre, ma faction ici... Non, avec 43 000, je peux rien... Enfin, avec 43 points, je peux rien faire. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir s'acheter les... Les augmentations ici. Qu'est-ce qu'on a augmenté ici? Dextérité. En vrai, je pense qu'on va... Voilà, on va plus se focaliser là-dessus. Sur tout ce qui est hack, sur tout ce qui est truc comme ça. Parce que c'est ce qui permet de développer davantage le jeu, quoi. Enfin, c'est ce qui permet d'aller plus loin dans le jeu. Ça, il me faut ça. Le cash-route. Pour avoir 1 000 000 dès le départ. Même si en vrai, je craque la monnaie. Donc, mais surtout le brut SSH dès le départ. Donc ça, il me le faudrait. Il faudrait que j'atteigne les 12K. Ça, c'est le truc indispensable. Et puis le neural stimulator en plus, quoi. Donc ça. Après tous ces trucs-là, quoi. 500 points. Non, mais ça, c'est le gouverneur. Donc on s'en fiche. Faudrait que j'arrive à atteindre le niveau 255 en Euroflux Governor. Bref, en tout cas, normalement, à la fin de cette run, je devrais pouvoir avoir le source file 4. Ce qui me permettrait de pouvoir balancer des backdoors automatiquement. Et ça, c'est craqué. Ça sera craqué. Bref. Bah écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter là. Je vais laisser tourner le jeu, je vais voilà refaire la run et puis ben on se retrouve à la fin de cette run je pense. Donc je vais laisser tourner longtemps. Et voilà, on se revoit pas pour toutes les augmentations, on se revoit pas pour tous ces trucs-là. Je vais le faire hors caméra et je vais même commencer le tournage d'un autre jeu en parallèle que je joue à Bitburner. Parce que j'aime bien ce jeu. J'aime bien ce jeu en vrai. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis à bientôt.
Bon, on se retrouve quelques jours après. Je suis toujours sur ma première run. Je vais essayer de monter au sans augmentation. Juste, je suis tombé sur un truc. Je suis actuellement à New Tokyo. Et dans la salle d'arcade, l'arcade démarre. Et c'est le jeu dans le jeu. Ça me flingue. Pitburner 3.0. 3.0. Ah, c'est pas vrai. Non mais let's go. Let's go en fait. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je... C'est génial! Ce truc est génial! On peut jouer au jeu dans le jeu! Oh merde, c'est génial! Je propose qu'on s'amuse un petit peu, le temps de toute façon que ma réputation augmente chez Tandy. Là actuellement, voilà, j'ai déjà pas mal vidé de factions. Il me reste Tandy, il me reste Aveum aussi qui sera à faire. Donc voilà, donc je suis là-dessus et l'objectif c'est d'avoir sans augmentation pour avoir un achievement. Voilà. Donc du coup. Ah par contre, il a reboot. Mais il gère le offline. Mais c'est génial. Oh purée. Mais c'est méga cool. En vrai, cette version, elle est cool aussi. Avec les petits boutons et tout. Oh, on va s'amuser un petit peu, on va voir un petit peu jusqu'où on peut aller dans le jeu du jeu. Putain, Ce jeu me fume! Mais ce jeu me fume! Et je suis sûr que... Y a pas un arcade? Y a pas un arcade dans le truc où tu peux jouer au jeu, dans le jeu, dans le jeu? Ça serait... Ah, ça serait génial. Du coup... Oh là là là, ça me flingue. Du coup, je vais hop, aller dans le terminal, je vais faire un LS, et puis on va copier 2-3 trucs. Du coup, on va copier hack install, du coup. Essayer de copier ça. Du coup, City Arcade. On va aller dans le terminal. Donc, on va faire nano hack install.js. Ah! On ne peut faire que de l'ES5. Dans cette version. Ah, ça va être un problème. Ça va être un problème. Ouais, mais de toute façon, ça va être un problème parce que de toute façon, local storage et tout. Ah, bordel, faut tout refaire en OS5. Du coup, est-ce que c'est gênant? Oui, c'est gênant. C'est gênant. Est-ce qu'on a des infos?
Non, bah, pour le moment, on va, pour le moment, on va le faire un, pour le moment, on va faire l'ancienne. Scan. Analyse. Et on va dire 3 parce que pour le moment, je suis sûr que voilà, je peux faire 3. Du coup, c'est les mêmes trucs. Évidemment. Mais dans le city, je peux. Ah, comment ça s'appelle? Oh, merde. Zut, comment il s'appelle le truc dans la ville de départ, le truc où on achète le truc Thor. C'est ça. Ouais, il faut 200K pour le... Pour le... Pour ça, ok. Ok, pour le moment j'ai... Ok. Pour le moment je n'ai que... Comment? Pour le moment j'ai 8 Go. Du coup il faut recoder ça en ES6. En ES5, pardon, en ES5. Quand même repartir de ça. Alors, l'import, l'export, on va faire ça, hop, comme ça. Du coup, ça, il va falloir. Donc tout ce qui est NS, tout ce qui est NS au viré. Du coup, tout ce qui est asynchrone, ça vire aussi parce que tout ça en ES5, ça n'existait pas. Comme quoi, on se complique la vie. Plus on avance dans JS, plus on se complique la vie. C'est ça qui est génial. Mince. Bon, ok, je suis un peu de mauvaise foi, mais bon. Du coup, alors A5 for each, on n'a plus besoin parce que ça c'était pour la synchrone. Le await, il n'y en a plus besoin. Je peux faire un... Et je peux pas... je peux pas... Putain, il n'y avait pas l'option Alt majuscule F à l'époque. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Du coup, si je fais ça, si je fais mash tab, oui, ça, mash tab, ça fonctionne. Ok. Ok.
Sauf que ça va coincer parce qu'en ES5, dans le jeu en ES5, je ne peux pas accéder à Local Storage. Il me le refuse. Du coup, il me faut la liste. Du coup, ici, dans les serveurs, il me faut la liste des serveurs. Donc, ouais, dans un premier temps, on va faire ça. Underscore serveur. On va faire var servers est égal à scan de home. Voilà, comme ça on va pas courir les serveurs qu'on scanne. Après on verra bien. Du coup, il me reste à copier, donc ça je peux sauvegarder. Ok. Ici je peux refaire un ls. Ok. Du coup, il faut que je fasse mon hack.script. Nano. Point script. Ok. Je peux pas cliquer sur. Ah bordel, je peux pas cliquer dessus. Ah oui, l'ancienne version, elle était quand même un peu énervée quoi. Et puis j'ai pas le multitab sur. Mais c'est enfer. Ah oui, c'était Usoftab. Ah d'accord, oui, ok. Non mais c'est tabulation, c'est pas étable. Show invisible. Ok, ça c'est pour afficher les lignes, c'est mal traduit. Pourquoi c'est me le tolère pas? Ne pas faire de fonction sans une boucle. Pourquoi tout va bien? Je vois pas où est le problème. Du coup. Tout ça va falloir que je le change. Ouais, c'est Akron en plus le truc, l'autre script. 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 Ok. En vrai, il faudrait que je fasse ça. Parce que j'avais fait la condition, c'est parce que c'était pour faire une exception sur le A5 A5 for each. Du coup ça me paraît pas mal. Ok, allez. Sauvegarder et quitter. Et donc il faut que je fasse. C'est pas nano hack, c'est A ou hack run. Ok. Ouais, évidemment, sauf que dans mon terminal, donc il faut que je prenne le hackrun, que je prenne ça. C'est vraiment pour le délire, hein. On va le faire. On va le faire sauf, j'ai envie de dire. Nano
hack. Run for script. Ok, du coup, var serveur est égal à scan de home. Ok, tout ce qui est await, asynchrone, tout ça, on va virer. Sync for each n'existe plus. Tac, tac, tac. Ah ouais, du coup. Parce que là, j'exploite les capacités de. Enfin, ce que j'ai récupéré de mon. Du coup, ici, il va falloir faire un as-route. As-route access de serveur. Le NS ici, faut le virer. Le NS ici, faut le virer. Et du coup, ici, c'est juste serveur. Et donc, il me faut. C'est security level, hein? J'ai un doute. Je vais mettre security level. Encore serveur. Mais j'ai un doute. J'ai un doute si c'est ça. On va laisser comme ça. Toc 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 toc. Donc ça c'est ok. Donc le hack run c'est ok. Ensuite on va avoir donc le. Ouais bah de toute façon il va falloir que. Pareil que je trouve dans le terminal. Du coup il me faut le gros. Hop. Et je vais déjà prévoir le week. On est parti. Vous croyez qu'il y a des achievements là-dessus? Hop, puis on va bosser là-dessus. Du coup, bah même topo en vrai. En vrai, je m'emmerde, mais